Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis en région PACA, à Saint-Martin-de-Crau, sur le site Les Ateliers Terréales. J'ai rendez-vous avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Laetitia, ça va? Ça va très bien. Bienvenue aux Ateliers Terréales. Ah bah écoute, je suis ravie. Tu sais que c'est le camion qui a été chargé par Géry qui est derrière toi? Eh bien oui, c'est la viande qu'il nous envoie tous les matins. Ça vient du site de Bourg-en-Bresse? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais toi ici? Moi je suis responsable d'atelier et conducteur de ligne de l'atelier steak haché viande hachée. Et du coup je vais t'emmener avec moi, comme ça on va pouvoir voir. Allez, ça on y va, il faut se changer je suppose. Oui, tout à fait. Bon ça y est, on est équipé? Eh oui, entièrement. Plus rien ne dépasse? Non. C'est les normes de sécurité dans l'agro? C'est obligatoire. En particulier dans la viande? Oui, surtout dans la viande. Et toi, tu fais quoi comme poste ici, Aurélien? Alors moi, je suis responsable de l'atelier steak haché et viande hachée. La ligne des enfants? Ouais, un peu. Et du coup, mon travail, c'est d'organiser et de planifier les journées de production pour pouvoir répondre aux besoins de nos différents clients. Donc pour ça, on fait les contrôles qualité qui sont nécessaires, notamment la matière grasse, la température. Et du coup, ça, c'est la viande dont tu me parlais qui vient juste d'arriver de Bourg-en-Bresse? Exactement. Des là, en l'occurrence, c'est du 5% limousin. Ah, donc ça, c'est pépite. Oui, c'est une très bonne viande. On va l'amener pour la hacher, du coup, dans l'atelier. Allez, c'est parti. Donc là, on va peser la viande pour savoir combien il y a de kilos pour pouvoir faire le semi-fini. C'est-à-dire? C'est la traçabilité, en clair. Donc on va dire combien il y a de viande dans un lot. D'accord. Donc là, tu vois, la balance nous dit qu'il fait 200 kilos. C'est donc parfait. On va faire 200 kilos de viande. 200 kilos de steak haché. Exactement. Vous êtes combien à bosser sur le site ici? Alors, on est 80 personnes, 50 dans l'atelier, enfin en général, et 10 dans cet atelier spécifique du steak haché. Ça fait combien de temps que tu fais ce job? Ça fait un an. Un an seulement? Ouais. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans les champs. Je travaillais dans l'agriculture. Et pourquoi tu as eu envie de changer? Ça faisait un moment que j'avais envie de me tourner vers l'industrie. Ouais. Et il y a une opportunité qui s'est ouverte, et comme j'aime bien les challenges, la viande c'était un milieu que je connaissais pas, donc je me suis dit une pierre deux coups. Ton parcours, t'as toujours fait des études dans l'agroalimentaire? Oui, tout à fait, je suis ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire, donc j'ai cette double casquette en fait. T'as toujours été attiré par l'agro? Oui, la transformation de l'aliment en fait, l'aliment et sa transformation. Donc là, la viande, elle est passée au hachoir primaire, donc on va l'emmener au hachoir secondaire, où elle va être refroidie et hachée plus finement. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est l'esprit d'équipe, le fait de travailler avec des machines. C'est des connaissances et puis c'est la transmission aussi. Que du coup, j'ai mis un moment avant d'apprendre tout ça et maintenant, je peux former des gens qui, à leur tour, vont pouvoir former des gens. Et ça, c'est assez gratifiant. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Terrea en particulier? C'est une entreprise qui évolue, notamment dans son traitement des matières premières. Et donc on fait du charolais, du limousin, qui sont des viandes assez intéressantes et à traiter. Ouais, t'es sur des bons produits de qualité quoi. Exactement. Il y a une évolution possible pour toi ici chez Terrea? Même si t'es oui, là que depuis un an, mais... Oui, mais c'est des choses dont on parle déjà. J'aimerais moi personnellement me former à d'autres ateliers. D'accord. Voir un peu ce qui se fait dans les autres ateliers. Parce que du coup maintenant je commence un peu à maîtriser le steak haché. Donc ça peut être intéressant pour moi d'aller voir d'autres ateliers, comment ils font pour découper, quel type de morceaux, ce genre de choses. Ouais, pas de routine quoi? Non, jamais. Donc là, tu vois, la viande qu'on a hachée, on va lui créer une traçabilité. C'est-à-dire qu'on va appeler la traçabilité de la matière première. D'accord. Et on va créer ce qu'on appelle un semi-fini. Et ce qui va permettre après, derrière, jusqu'au consommateur, de savoir quelle viande a été utilisée. D'accord. Voilà, tu vas l'appeler. Et là, tu vois, ça te dit quelle matière c'est et on va la mettre en production. Donc là, tu sélectionnes là, le 5% limousin et tu vas mettre 200 kilos. Et voilà, tu viens de créer le semi-fini. D'accord. Qui va permettre à chaque conducteur de ligne de savoir ce qu'il est en train d'utiliser. C'est vachement moderne, c'est hyper organisé quoi. Ah ben il faut. Ouais. Sinon, pour la traçabilité et la qualité, dans un milieu comme la viande, ce ne serait pas possible. Et si tu devais me citer trois qualités pour être responsable d'atelier? Il faut de la rigueur, de l'organisation, c'est très important, et du travail d'équipe. Sans ça, sans le travail d'équipe, on n'arrive à rien. Si tout le monde travaille dans son coin, on ne peut pas travailler sereinement. Terrea est présent dans les deux régions. Jour, la nuit, l'atelier est nettoyé. Les deux dans la même poêle. Plutôt burger, saignant. Je vois que tu as trouvé mon petit coin. On est trop bien. Je t'ai apporté le fruit de ton travail. Waouh. Du coup, les steaks qu'on a fait tout à l'heure, donc les limousins. Trop bon, je vais enfin goûter. Ah oui. Le meilleur moment. Après l'effort, le réconfort. Allez, bon bah, bon app. À la tienne, bon appétit. Un régal. Si vous avez envie de fabriquer cette bonne viande avec Aurélien et toute son équipe,
Eh bien, sachez qu'ils recrutent ici aux ateliers Terrea. N'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Merci de m'avoir partagé ton quotidien, Aurélien. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.